À cette époque-là, en fait, on va principalement pêcher avec des mouches de mai. Voilà, elle vient de s'en aller. Hop là, elle vient de s'en aller, elle vient de se faire manger par une hirondelle. C'est l'une des plus belles résurgences de France, la Touvre, à quelques pas d'Angoulême. Un petit paradis pour les pêcheurs à la mouche. Rencontre avec Ludovic, c'est un guide de pêche professionnel et son élève du jour, Audrey. Ta main, elle bouge pas. Là, elle bouge pas. Et là, celle-là, voilà. Ça. Tac, tac. Ouais, super. Qu'est-ce qui te plaît à être ici, là, au milieu de cette rivière ? Là, c'est le calme, la verdure, et puis ça permet de penser à autre chose. Voilà, ça vide la tête, l'esprit. C'est un peu similaire à de la chasse à l'arc, où est-ce qu'on va ? On va chercher le poisson, on va le débusquer, on essaye d'être le plus discret possible. Moi, c'est ce que j'aime dans cette technique, quoi. On essaye d'imiter des invertébrés aquatiques, du coup, le mieux possible. Il faut connaître, il faut avoir des bases entomologiques. Ça fait bientôt 30 ans que je pêche à la mouche. On va utiliser des mouches à différents stades. Donc les stades larvaires, donc ceux qui vivent sur les cailloux, dans les herbiers et compagnie. Donc sur la Touvre, on a beaucoup d'herbiers, du coup, on a beaucoup de gamards. Bon, Ludovic, on a changé de secteur. On a profité pour faire une petite pause pour monter tes propres mouches. L'insecte, en fait, on va le décomposer en trois sections. Hein. On va le décomposer avec ce qu'on appelle les cerques, donc la queue de la mouche, en fait. On a l'abdomen, le thorax et puis les ailes, en fait. Du coup, ben, suivant les matériaux, derrière, pour faire ce qu'on appelle les cerques, donc la queue, j'ai pris des sabres de faisan. Donc le sabre de faisan, c'est la queue, la grande queue du faisan, là. Bonjour Valentin, alors tu es directeur de la Fédération de pêche de la Charente. Ouais. On est dans un cadre assez remarquable. Vous travaillez aussi toute l'année et régulièrement pour que ce cadre et cette rivière soient préservés. Oui, bah, tu l'as dit, c'est la deuxième résurgence de France. Et en plus de ça, c'est une rivière complètement atypique et magnifique. Et donc la Fédération réalise beaucoup d'actions et notamment en termes de suivi. Pour connaître l'évolution des populations, surtout de truites fario, puisque c'est la truite sauvage et le poisson, l'espèce emblématique de la Touvre. On est là pour pêcher, mais on est aussi des sentinelles, en fait. On est là pour repérer des pollutions, ce qui va pas. On est aussi un bio-indicateur, en fait. Hein. Super, mais on sent déjà le gars qui a déjà un peu pêché. J'en ai fait, mais il y a longtemps. Ben ouais, mais c'est comme la nage, ça revient très très vite. Hein. Après, le lancer, ça s'apprend très très vite. Après, c'est tout le reste, en fait, dans cette pêche qui va mettre des années et des années. J'accélère, je bloque. Un petit peu moins de poignet, un tout petit peu plus d'épaule. Voilà, ça c'est un peu mieux. Hop. Bon allez, moi je vais encore profiter de ce petit coin de paradis au milieu de la Touvre. Et puis je vous donne rendez-vous à très vite pour d'autres coins de pêche en Charente.